Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rocher Lannoy, je suis coach international et expert dans le changement immédiat et durable. Aujourd'hui, je vais te parler d'un point important. Comment tu vas créer ton rituel du succès qui va t'amener où tu veux aller vraiment dans ta vie, qui va t'amener au succès que tu veux et que tu mérites. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les personnes qui ont du succès, ils ont des rituels. Ils ont des habitudes, si tu veux, habitudes ou rituels, des habitudes qu'ils font tous les jours de manière consistante. Et à la force de les faire, ça devient un réflexe. Et ces habitudes, ce réflexe fait de manière consistante, donne les résultats qu'ils ont dans la vie. La même chose pour les personnes qui n'ont pas de résultats, les personnes qui tirent le diable par la queue, les personnes qui vivent dans une situation de manque permanent, eh bien, ils ont aussi créé inconsciemment la plupart des rituels où ils les ont copiés sur d'autres, ils ont copié sur leur environnement ces mêmes rituels qui les amènent aujourd'hui à avoir le même style de vie que les personnes dont ils ont copié les rituels. Donc concrètement, il y a un rituel, des habitudes pour réussir et il y a aussi un rituel, des habitudes pour échouer. Mon but aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience de ce premier point et que tu sois toi-même conscient de tes propres rituels. Et le changement commence par mettre en place des nouveaux rituels, c'est-à-dire construire des nouvelles habitudes. Et avec mon expérience maintenant de plus de 20 ans dans le domaine, eh bien, je peux te dire qu'il y a un rituel qui ressort et qui donne des résultats spectaculaires. C'est le rituel que je donne pour le matin et j'ai des milliers de personnes qui le suivent, qui ont des résultats grâce à ce rituel. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets en place un nouveau rituel, eh bien, tu apprends à ton cerveau à changer son focus, à changer sa manière de fonctionner. Au lieu d'être focalisé sur ce qui ne va pas, sur des mauvaises habitudes, sur des chemins qui mènent nulle part, eh bien, tu commences à le tourner en mettant un nouveau rituel en place vers des nouveaux objectifs, vers des nouvelles habitudes, un nouveau moyen, une nouvelle stratégie de fonctionnement que tu apprends à ton cerveau, à ton inconscient, qui va t'amener là où tu veux aller. C'est un rituel très simple en trois points. Premier point, dès que je me lève le matin, première chose que je fais, c'est je saute sur la machine à faire des jus. Je ne prends pas un, avant j'en prenais un, maintenant j'en prends deux. Deux citrons pressés, ça prend quelques minutes et les citrons soit je les prends de manière, je les prends secs, d'une traite. Si toi, tu n'aimes pas trop, et je le fais parfois aussi, tu peux mélanger, là, c'est plus à la manière, je dirais, de mon ami, j'en parlerai après, d'ailleurs, du docteur Deepak Chopra. Eh bien, tu peux ajouter un peu d'eau tiède, c'est également excellent pour ta santé. Quel est le but, justement, de prendre ces deux citrons? Eh bien, toi, tu en prends un ou deux, ça dépend, mais normalement, un, ça peut suffire. Eh bien, le but, simplement, c'est de rétablir ton niveau de pH, ton niveau de pH dans ton corps. Parce que notre corps a tendance, avec le stress, avec le café, avec l'alcool, avec la viande, avec tous ces produits toxiques, à le fromage bien sûr, il devient acide. Et un corps acide, c'est-à-dire qu'il a un pH en dessous de 7, et un corps acide est un terrain favorable, c'est le terrain favorable à la maladie. C'est vraiment là que les maladies commencent à prendre naissance et à se développer. Par contre, si tu as ton corps qui est alcalin, qui a un pH supérieur à 7, eh bien, il est pratiquement, je ne vais pas dire à 100%, mais pratiquement impossible que la maladie puisse venir s'installer dans ton corps. Et non seulement s'installer, mais continuer à grandir dans ton corps. Donc, le but du citron, c'est de remettre ton pH à 7, à retrouver un pH alcalin. Il y a d'autres stratégies, il faut pour ça boire beaucoup d'eau, manger des fruits, des légumes, c'est ce qui va aussi maintenir ton pH à 7, au-delà de 7,
maintenir un corps alcalin, ce qui est vraiment là une garantie pour toi, rester en excellente santé. Deuxième point également dans ton rituel, donc là ça prend 2 minutes, le temps de presser tes citrons et de les avaler. Ensuite, ce qui est hyper important, j'ai découvert ça avec mon ami le docteur Chopra en 96, il y a maintenant une vingtaine d'années, eh bien, c'est l'importance de la méditation. Dès que tu te réveilles, tu as pris ton citron, tu te poses 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, où tu vas tout simplement te poser pour méditer. Je vous offre régulièrement, je suis en partenariat depuis très longtemps avec mon ami le docteur Deepak Chopra, et je vous offre régulièrement des méditations en français. Il y en a 2 cycles de 21 jours par an, deux cycles de 21 jours par an qui vous est offert, c'est gratuit. À la fin de cette vidéo, d'ailleurs, vous aurez un lien pour pouvoir être sûr que votre email est bien enregistré et que vous puissiez les recevoir dans le futur. Eh bien, vous recevez ces vidéos gratuites. Il y a déjà plus de 100 000 personnes qui les ont, francophones, qui les ont suivies. Et je peux vous dire, tout le monde en est super, super content. Donc, je te disais, le citron, première nouvelle habitude dans ton rituel du succès. Deuxième habitude, te poser, méditer 10 minutes, un quart d'heure. Soit tu mets une musique qui te relaxe et tu te laisses aller. Tu laisses simplement ton cerveau faire le vide pour démarrer ta journée de manière spectaculaire, de manière efficace. Tu peux être aidé, bien sûr, si tu as les enregistrements de méditation de Deepak Chopra, c'est encore mieux pour pouvoir vraiment conditionner ton cerveau à la réussite. Troisième point, c'est un rituel qui va durer maximum une demi-heure. Et si tu me dis, j'ai pas le temps, c'est pas grave, lève-toi une demi-heure plus tôt, fais-le, teste pendant 10 jours, pendant 1 mois, et je te promets, tu vas avoir des résultats spectaculaires. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui font ça tous les jours, et je peux te dire, elles ont des résultats. Troisième point, tu vas t'acheter chez Decathlon ou dans n'importe quel magasin de sport une mini trampoline, ça fait 1 mètre de diamètre, une mini trampoline, et ça coûte 30-35 euros, donc ça coûte rien du tout. Okay? Et pendant 10 minutes, tu vas tout simplement, ce n'est pas la peine de sauter au plafond, sautiller sur ta trampoline pendant 10 minutes. Si tu veux, tu peux même booster le résultat, booster l'efficacité et le retour sur investissement, c'est d'avoir ton vision board, je parlerai un peu plus tard des vision board dans une autre vidéo, ton vision board en face, la vision de ton futur, et tu sautes dessus pendant 10 minutes tranquillement sur ta trampoline. Quel est le but? Mais le but de la trampoline, c'est tout simplement, il y a plusieurs buts, mais les deux principaux objectifs, c'est de stimuler ton système lymphatique. Ton système lymphatique, eh bien, c'est pour éliminer toutes les toxines qu'il y a dans ton corps. Et le meilleur moyen pour stimuler le système lymphatique, c'est le mouvement, c'est de marcher, c'est de bouger. Mais comme je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne faites pas beaucoup de sport, donc c'est une manière de stimuler, de remplacer, ça ne remplace jamais, vous allez me dire, mais c'est une manière quand même de stimuler ton système lymphatique et d'éliminer les toxines. Si tu as les jambes lourdes, si tu as tendance à accumuler les toxines dans les jambes, eh bien le fait de faire de la trampoline, tu vas voir que tu vas avoir les jambes plus légères et ça va déjà t'aider à stimuler ton système lymphatique. Deuxième objectif de la trampoline, c'est de pouvoir rééquilibrer les deux hémisphères du cerveau, cerveau gauche, cerveau droit, pour avoir un cerveau beaucoup plus alerte, beaucoup plus dynamique. Donc, je te répète, c'est très simple, je te mets au défi. 10 jours pour ceux qui sont peut-être pas à 1000% motivés, mais pour ceux qui sont à 1000% motivés, 30 jours. Pendant 30 jours, fais ce test. Le citron le matin. Deuxièmement, la méditation. Et tu termines 10 minutes de trampoline. Tu me donneras les résultats, je suis convaincu, ils seront spectaculaires. Parce que pour terminer, je veux dire ceci. Aujourd'hui, ta vie de maintenant, eh bien, c'est le fruit des habitudes que tu as depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Les habitudes que tu as mises en place et que tu répètes de manière machinale font la vie que tu as aujourd'hui. Si tu veux que ta vie de demain, elle change, il faut aujourd'hui changer tes habitudes, créer un nouveau rituel. Test rituel du succès, je te promets, ça marche. Tu as aimé cette vidéo, j'en suis convaincu. Tout ce qui te reste à faire, c'est de mettre en dessous
tes coordonnées. Comme ça, tu recevras bien sûr les méditations du Dr Chopra, mais également beaucoup d'autres vidéos que j'ai prévues pour toi. Abonne-toi également sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Enfin, je serai ravi de te retrouver de manière régulière. Merci à tous et à très bientôt.